Très bien, parce qu'ils se députent tous les deux, parce qu'ils sont trop beaux. C'est trop évident. C'est pour ça qu'ils ont fait sinon ils devraient. Je dis franchement, je ne suis pas content de vous entendre. Et alors, ils commencent à bosser dans l'événementiel. Ils ont fait des paroles, ils ont fait des Well, good evening. First of all, apologies. You probably know you have a strike on here in Paris. We sort of delayed this. The interviews went on and on and on this afternoon. And then we got lost. So a combination of excuses and justifications. Tout d'abord, mes plus plates excuses que je peux un peu essayer d'étoffer en vous disant qu'il y a une grève dans votre chère ville, des manifestations, que nos interviews toute la journée ont été interminables et que par-dessus le marché, on s'est perdu. Well, I understand that my primary reason for being here really is related indeed to the beginnings of distribution of a new film called Eisenstein in Guanajuato, which the French distributors, much to my chagrin, have changed the title, so it's now Que Viva Eisenstein. Si j'ai bien compris, la première raison de ma présence ici, c'est la sortie prochaine en salle d'un film que j'ai fait, que j'ai simplement appelé Eisenstein à Guanajuato, et à mon grand chagrin, le distributeur français a décidé de le rebaptiser Que Viva Eisenstein. Peut-être que vous pourriez nous parler de votre rencontre avec le cinéma d'Eisenstein. Peut-être commencer par. Well, the question is, of course, I never met Eisenstein. I did meet one or two of his biographers, both in America and certainly in Russia. But biographers are always totally unreliable, so probably it was very wise of me to forget absolutely everything they told me. Pour tout vous dire, Eisenstein lui-même, je n'ai pas eu le bonheur de le rencontrer. Je n'ai rencontré que quelques biographes, deux ou trois, aux États-Unis, même en Russie. Mais vous savez que les biographes sont des gens très peu fiables, donc j'ai vite fait l'oublier parce que je peux me laisser dire par eux. I am a strong believer that there is no such thing as history, there's only historians. Je fais partie de ces gens qui croient que l'histoire n'existe pas, seule existe des historiens. And since, I suppose, our sensation of history is related essentially to text, and we all know that most writers are liars, so probably most of the history you've heard is completely unbelievable. Et puis, finalement, ce qu'on considère comme l'histoire, ce n'est quoi? Ce ne sont que des textes, encore des textes, rien que des textes. Et nous savons bien que tous les auteurs, tous les écrivains sont avant tout des menteurs. Donc rien de ce que vous lisez en le prenant comme pour de l'histoire ne peut être considéré sérieusement. And I think I seriously adhere to the notion that really history is only a branch of literature. Donc pour moi, l'histoire n'est rien d'autre qu'une branche de la littérature.
having said that, I think the best evidence that we can relate to, of course, is the actual films, which I'm pretty certain that Eisenstein could certainly identify. So, as always, I would need to start here with the evidence, which I sincerely believe are the films of Eisenstein. Donc finalement, la seule matière que je considère comme digne d'intérêt, fiable et ne pouvant être contestée, c'est finalement les films, à commencer par les films d'Eisenstein lui-même. C'est un public cinéphile, donc je ne vais pas vous faire l'offense de citer ces six films. La boutique, certes, s'appelle Potemkin, mais j'ai eu moi aussi un dentiste qui s'appelait Potemkin. Toutes ces informations sont très... And cinema, maybe more than other Russian Soviet cinema, was extremely violent and very dangerous. Et puis, je ne le dis pas seulement en raison du nom de cette boutique, mais il se trouve que le coup de cuirassé Potemkin avait eu un succès retentissant à travers le monde. Évidemment, on a attribué très, très largement ce lien de fidélité et d'influence avec Griffith, même si je ne sais pas ce qu'il faut en croire et s'il faut forcément croire tout ce que disent les Américains sur ce lien-là. Mais en tout cas, Eisenstein n'était pas seul. Il y avait aussi tous ses confrères, tous les cinéastes soviétiques de l'époque qui étaient très portés sur cette notion de cinéma montage. Et donc, le cuirassé Potemkin était vu, considéré comme le film qui pouvait enchaîner le nombre de plans le plus rapide de l'histoire de cinéma. Et tel que c'était perçu, c'était un film qui était reconnu particulièrement comme porteur de violence et d'images frappantes. Et donc voilà, en ces temps de Russie et de Poutine homophobe, je me suis mis dans de mauvais draps en disant que non seulement Diaghilev était gay, non seulement Tchaïkovski était gay, mais désolé de vous le dire, mais Eisenstein aussi était gay. But I think perhaps maybe even more than that, because I'm sure you would agree with me that this homophobic nonsense on behalf of Putin and all his oligarchical friends is really to do with a piece of statementship, a bit of political maneuvering, because then... Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Poutine ou ses amis oligarques prennent ces positions homophobes pour des raisons bassement politiciennes, et que moi je sais bien que mes amis ou mes connaissances à Saint-Pétersbourg ou ailleurs n'ont strictement rien contre les homosexuels et qu'il ne s'agit pas seulement de cette dimension-là qu'il voit d'un mauvais œil dans ce film, mais il y a aussi une dimension extrêmement humaine, extrêmement proche que l'on donne d'Eisenstein. On ne le présente pas comme un Dieu qui doit être vénéré et qui ne mérite rien d'autre qu'une genuflexion, mais que c'est un bonhomme comme un autre. Et ils ont donc le sentiment qu'en quelque sorte, on a terni l'image de leur Dieu vivant, et donc de leur nation. The film, I think, first really saw the light of public day. We finished it about last Christmas. Was... Nous, évidemment, on a travaillé en vidéo et nous avons fait tout ce que le monde d'aujourd'hui, le monde numérique permet de faire. Je connais de très grands chefs opérateurs. Il est incontestable aussi dans les conversations que j'ai avec eux qu'il y a encore 20 ans, le grand Manitou du cinéma, au-delà du réalisateur ou du producteur, c'était les chefs opérateurs. C'est eux qui vraiment détenaient le pouvoir sur un plateau et dans la réalisation d'un film, et qu'aujourd'hui ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le monteur qui fait du film ce qu'il veut. Donc nous aussi, on s'en est donné à cœur joie, on a lorgné l'image, on a transformé les couleurs, on a fait de la métamorphose, on a joué comme la technologie innovante d'aujourd'hui permet de le faire. Donc c'est un film dans lequel j'ai tenu à ce que le montage soit extrêmement artificiel, extrêmement visible. Donc, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis. Quand vous verrez ce film, regardez comment il est monté. Je ne vais pas m'étendre sur la beauté de vos films, moi qui m'ont toujours émerveillé. D'ailleurs, il n'y a pas que votre cinéma fait partie comme du cinéma anglais, ce cinéma qui est absolument extraordinaire et très peu connu en fait, parce que avec Michael Powell et tous ces gens-là, on voit que dans vos films, il y a une assimilation de toute cette esthétique anglaise, cette retenue et à la fois cette ouverture. Et je pense que cette pudeur extraordinaire
fait que vos films parlent d'eux-mêmes. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a une chose que je voudrais poser, excusez-moi si c'est un petit peu formel, c'est le fait que vos films, je me pose la question de me dire, il y a une force esthétique dans vos films incontestable, très forte, et qu'ils ont pratiquement forme d'histoire. C'est-à-dire que la force de l'esthétique donne l'histoire. Et on a l'impression que vous ne voulez pas que la narration corrompe l'esthétique, corrompe, si vous voulez, cette forme que vous avez naturelle de raconter une histoire, qui est une histoire qui est à fleur de peau, et que l'être humain ressent de lui-même. Et c'est ça que j'ai ressenti dans vos films. Et je me dis, mais comment faites-vous? Comment arrivez-vous à concilier? Parce que pour que vos films soient vus, vous essayez quand même formellement de raconter une histoire. Mais en même temps, vous êtes très conscient, les films le disent, qu'il y a une corruption de l'histoire par rapport à l'esthétique, mais vous ne tombez pas dedans. Et alors, évidemment, ça fait évidemment une espèce de métaphore politique, parce qu'il en sort quand même quelque chose de politique, de très fort, de très puissant. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Well, I think, you know, I'm very, very disappointed with cinema. Very disappointed, deeply, deeply disenchanted. It has not gone to those places which indeed all you French apologists. But it's not your fault, is it? It's not your fault. It's in a sense the way we organize our education systems all over the world, not just in France, not just in Europe, but everywhere. So I want to be made Minister of Culture for the World. I want this right. Je dois vous dire que je suis un grand déçu, un grand désenchanté du cinéma. J'ai cru, moi aussi, comme les grands apologistes français et belges du début des années 20, que le cinéma pouvait, elle avait le potentiel de devenir le septième art, le vrai septième art. Et pourtant, qu'est-ce que c'est devenu? Je crois que Chaplin et Eisenstein étaient d'accord sur le fait que l'arrivée du parlant, du cinéma parlant, a été une catastrophe, puisque ça a marqué une fois pour toutes la mort de l'image, puisque le texte et la narration, donc le texte, l'a emporté une fois pour toutes. Et je mets au défi quiconque d'entre vous ici de me dire s'ils ont vu un film qui n'a pas commencé sa vie tout d'abord comme un texte. Donc aujourd'hui, le cinéma ne se contente plus que d'être l'illustration de la littérature. Et finalement, quand on voit un film, on s'accroche au texte, on s'accroche à la littérature pour le comprendre. Comme quand vous allez dans un musée, que vous voyez les visiteurs se balader dans les allées de peinture, ils sont un peu déconcertés par une peinture qu'ils ne comprennent pas. Immédiatement, ils se penchent, ils lisent la légende et ils disent « Ah, voilà, d'accord, j'ai compris, c'est la femme au perroquet ». Et là, ils arrêtent de regarder l'image et ils s'en vont. Donc on fait exactement la même chose avec le cinéma, on s'accroche au texte et on s'accroche au pire de la littérature, à une littérature de seconde main, puisqu'encore aujourd'hui on se contente de faire encore un film sur Jane Austen ou encore Alexandre Dumas ou encore la littérature la plus classique et conventionnelle du 19e siècle. Si tant est qu'on admet que le cinéma n'a pas d'autre ambition que d'illustrer la littérature, pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas au moins de marcher au pas de l'évolution de la littérature? Où est Joyce pour le cinéma? Où est Perrin pour le cinéma? Pourquoi est-ce que le cinéma en est resté au béaba de la littérature? C'est quelque chose qui, moi, me désole. Je trouve que c'est vraiment une tragédie. Et je ne sais pas, en fait, pourquoi le cinéma s'est appauvré à ce point, puisqu'il y a... le théâtre existe, le théâtre ne se crée pas sur l'image, il se crée sur le texte, la littérature existe. Et pourtant, la raison en est simple, c'est parce que nous sommes tous, vous êtes tous, pardonnez-moi un moment toujours de devoir poser cette question à mon auditoire, mais lequel d'entre vous a une culture visuelle? Quelle est la proportion d'un public qui est allé, qui a été formé, qui est allé à l'école, dans une école d'art, qui est allé dans une école d'architecture, donc qui a appris à regarder l'image, à commenter l'image? Et si vous ne l'êtes pas, parce qu'en général ce n'est pas au-delà de 8 ou 10% d'un public quel qu'il soit, qui vous permet, de quel droit est-ce que vous jugez la peinture et de quel droit est-ce que vous jugez le cinéma et vous parlez de quelque chose qui est visuel? Vous n'en êtes là qu'en vous accrochant au verbe, en croyant, comme on vous a baratiné dans l'Ancien Testament, qu'au commencement était le verbe, alors que non, au commencement n'était pas le verbe. C'est à Adam qu'on a confié la tâche de nommer,
alors que moi je considère bien au contraire comme Rembrandt que toute grande peinture est une peinture non narrative, ou comme Derrida que c'est l'image qui a le dernier mot. Mais nous sommes tous dénués de cette culture-là, et ce n'est pas votre faute, ce n'est pas ma faute, c'est parce que notre système éducatif, n'importe où dans le monde, a été créé de cette façon-là. Regardez, là moi je vis en Hollande, l'âge moyen est de 87 ans pour un homme, et pourtant dès que vous avez 6, 7, 10 ans, on vous dit à l'école, bon, bah, maintenant rangez vos pinceaux et vos crayons, on va passer aux choses sérieuses. C'est la verbalisation de l'image qui tue l'image. Exactement. Verbalization of image kills image. Enfin, je le fais dans l'autre sens. Merci, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous devez gagner votre vie, donc passons aux choses sérieuses. Donc, appauvrissons-nous, oublions l'image. Oublions de cultiver notre rapport à l'image, à la création du visuel et à l'appréhension du visuel. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour aller à l'encontre de ça, à part me nommer ministre de la Culture pour le monde. Bravo. Merci Peter Well, de venir à la boutique. Alors, Peter va être à l'entrée, on va... s'asseoir à une chaise et il va pouvoir dédicacer les livres ou les DVD. Vous pouvez acheter vers la caisse. Il y a un petit pot, il va être à 1 euro, il va pas être limité. Et surtout, vous pouvez aussi remercier Massoumé pour sa traduction. Peter Drenewé. One, two, three. Encore une. One more. One, two, three. Formidable. Extraordinaire. Thank you very much for your answer. How can we vote for you as a Minister of Culture? Well, I don't know. I think you're going to have to go to the UK to do that. Where do you vote in the world? You here. Okay. Your cook of film is in the film, comment s'appelle, Le Cuisinier, etc. Tous les secrets sont dans ce film-là. La c'est incroyable. C'est comme une queen comme ça. C'est la petite pute médiatique de l'époque. Ah oui, c'est un direct de ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you. I'm afraid this pen is a bit clumsy. It's very, very thick. I'm going to blow on it so you can see. No. Hi. Nice to meet you. And you. May I ask you to make a selfie with you because I am full of me. Come around here. Marche au bouquin cinéma, tu veux? Un peu, ouais. I never do that. C'est bien, vous allez prendre une place tout le temps. On essaie de faire ça assez régulièrement, ouais. Ok, happy? Ok, good. Il en a bien. Hi. Bonsoir. Il y en a qui sont en anglais, mais...